Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom sur l'épisode de Mad Max. Donc, chers amis, nous avons plus rien, nous avons été trahis. Nous allons donc nous rendre ici. Nous allons faire toute la route. Et on va retrouver Chum qui est parti avec notre voiture. On lui a enfin trouvé un V8 et il nous a trahis. Il va le payer. Nous voilà partis. Comme vous voyez, notre voiture est morte. Celle-ci a deux turbos. Elle a au moins 4 et 4, 8. Attendez. Attends, non. Elle a 12 cylindres. Elle accélère pas. Là, je suis à fond sur la manette. Hein. Je veux ce qu'il y a de plus rapide, a-t-il dit dans le précédent épisode. Aïe. Bon. C'est pas grave. Je trouverai autre chose sur la route. Oh là 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 là, c'est de la merde. Hein. En plus, le jeu est complètement buggé. Regardez sur l'interface à droite. On voit l'arme derrière, mais je ne peux pas en changer parce que Chum n'est pas là, il ne peut pas l'utiliser. Merde, je voulais leur voiture, moi. Oh, mais je sens que je vais aller la prendre, leur voiture. Vous savez quoi? Hop. Bien joué. Dégage! Je réquisitionne votre véhicule. Ah! Ça, ça a l'air de pousser, chers amis. Ça, ça a l'air cool. Ça, ça avance. Ça, ça fait pas mine. Par où? Par là. On va prendre l'autoroute. Tempête en approche? Non. Non, je ne chercherai pas d'abri. Tant pis. On va rouler, chers amis. Oh la vache! Oh nom de Dieu! Waouh, on l'a vu arriver pour une fois. Je crois que c'est pas souvent qu'on l'a vu arriver par devant, en fait. Si je puis dire ça comme ça. Chum, qu'est-ce que tu m'as fait là? À droite. Hop, non. Appelez. Hop. On passe par le pont. Hop. Je pensais qu'il allait avoir de plus longs dialogues. Vous savez qu'il allait parler tout seul parce que voilà quoi, c'était sa bagnole. Je suis désolé, il a fait tout ce qu'il faut pour faire pour ça. C'était son ticket de sortie ensuite parce qu'il avait plus l'intercepteur. Et je me disais merde, ça va être son. C'est ça lui a, c'est son objet, c'est ce qui lui appartient. C'est sa possession maintenant. Mais non, même pas. Hop, on passe par la porte, merci. Chum Bucket! Oui, bonjour, je voudrais un bucket, s'il vous plaît, avec les. Avec des hot wings et des tenders aussi, s'il vous plaît, merci.
Et une grande frite et un grand coca. J'ai pas souvent un KFC, je suis désolé. Je peux pas être plus précis que ça en fait. J'ai des amis qui bossent chez KFC. Mais j'y vais pas souvent parce qu'ils sont loin. Mon KFC à moi, le plus proche, il est à 115 km. Donc je vais pas faire une heure pour aller bouffer KFC quoi. Alors. Juste pour voir, on va faire une pause. Bon, on va pas s'arrêter par contre, on va sortir la carte. On a fait la moitié de la map. Oh putain. Ah, moi je trouve ça épique, franchement je trouve ça vachement épique. En plus, je l'ai mis en vue à la première personne, on y voit que Pouic. Pour peu que. Comment que Max tourne le volant en plus, on voit même plus la route. Ah, apparemment ils m'ont pas apprécié ceux-là. Hop. C'est parti. C'est d'une violence cette tempête. Est-ce qu'elle va se terminer un jour? J'ai pas de mine, c'est dommage. J'avoue que j'aurais bien aimé en avoir. Lui par contre ça m'étonnerait pas qu'il en ait. Tiens donc. Des mines. Dégage, mot du gland. Voilà. Ça prendra. Et un succès. Un. Bon. Chum, je vois plus la route. Tu me fais chier, chum. Je vais venir chercher ma bagnole et je vais me barrer. Peut-être prendre une bastos. Ou alors pour rester dans les films de. Enfin avec Mel Gibson et deux Mel Gibson, je sais plus si celui-là c'était un 2 Mel Gibson. Tu vas te prendre une Doom Doom. Hop. Ceux qui verront la référence Doom Doom, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires pour avoir mon plus grand respect. Ça c'était pas prévu ça. Honnêtement c'était pas prévu du tout. C'était pas du tout au programme. Oui. Ça non plus c'était pas au programme. Bla. 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 J'ai failli m'en bouffer une autre. Avance. Aïe. Oh putain, y'a une grosse caisse qui arrive! C'est la fin! Mais bon, un coup! Attendez, elle est juste là? Ouh, c'est tentant. C'est tentant, c'est tentant, c'est tentant. Si elle est juste... Elles sont juste à côté, regardez. Hop, j'ai bien un coup. Elles sont vraiment juste à côté. Par contre, je n'ai plus aucune caisse. On va boire, chers amis, on va courir. C'est tout ce qui nous reste. Ma voiture. Non mais le sac, quoi. Un, deux, et trois. Hop. Hop. Et hop. Bah de toute façon, on y est. Ah, on est juste devant. C'est limite encore mieux parce que ça fait... spectaculaire quoi. Il va nous voir arriver. La rage aux dents. La bave qui coule tellement. Ça va être drôle. Pour moi. De toute façon, il me reste des balles au cas où. Hop. Et sprint. Roule. 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 Roule, je te dis, fais ton sport.
N'empêche qu'allez le faire, ça, chers amis. Allez dans le désert, dans une zone aussi rocailleuse, et faites des roulades pour vous entraîner. Vous allez voir que ça fait mal. Ah, c'est dommage, elle passe trop loin, la bagnole. C'est vraiment dommage. Mais bon. N'empêche qu'on refait le plein de ferraille, ça c'est cool. Oh la vache! Il doit en chier quand même, le pauvre. Dans le sable, c'est terrible. Roulade! Eh mais attends, t'avais un couteau dans le dos? J'ai intérêt de te voir le prendre, le fameux couteau. Oh là là. Moi je m'ennuie, chers amis, là. Le hunchback doit être ici, et avec la voiture. Je ne peux pas. Je ne peux jamais trust nobody. Bien dit. Regardez ça, les traces dans le sable. Bon, il y en a une qui a disparu forcément depuis le moment où je l'ai dit. Il y a une info juste à côté là. Je vais aller voir l'info, chers amis, je suis désolé. Pour peu que ce soit important vis-à-vis du retour de Chum, vous savez. Roule! Roule! Merci! Je crois qu'il me faudra encore quelques centaines pour pouvoir acheter le prochain V8. Ou c'est peut-être une mission, je sais plus. Enfin, voyons voir. Salut! Oh, je peux te parler des seigneurs de guerre qui sont... Vous voyez? Vous voyez, chers amis, j'ai bien fait. Allons-y. Mettons fin à tout ceci. Avec les deux tiers de notre vie. 9 balles et 5 couteaux. Et une gourde vide. C'est parti! À la file indienne. Je vais pas les prendre à la file. À mon avis, ils vont être tous en même temps sur ma gueule. Mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est dommage, je trouvais ça stylé, regardez. Il a couru un moment avec la main sur la crosse. What? What? Mais non, ça c'était naze. Oh. Ma voiture? Qu'est-ce qu'il a fait à ma voiture? What? Oh merde! Haha. The one who heaved my big block and my concubine. Not to mention the one who ran a saw blade into Lord Scabrous Scrotus's very brain back. As if cutting dead stump. Tout à fait. Saw your ride. Followed it here. We all followed it here. Found your monkey. And that monkey was made to sing! About you, a woman, a
Oula. Ouh! Il me plaît quand il parle comme ça. Tout est perdu. D'accord, il esquivera même les tirs. Raté! D'accord. Bien joué. Putain, il agit comme un jaune, vous avez remarqué? Raté! Super parade sur un boss! Tu la sens, ma grosse connerie! Raté! Bah alors, score but! Alors, score but! T'as un problème? Je l'avais pas vu celui-là. Merci de te présenter avant d'entrer sur le terrain. Raté! Boum! Bien joué! Toi, tu dégages. C'est à ton boss que je veux parler. Bien joué! Raté! Boum! Bouffe mon genou! D'accord, ça l'arrête même en plein. Oh, bien joué! Bien joué! Je me suis fait avoir encore une fois! Dommage! Pas la mer. Oh putain. Ah putain. La mère a l'habitude d'être tripotée. La fille... Oh bah lui, il passe sous les roues. C'est pas souvent. Alors, faut qu'on aille où? Il m'a pas encore dit. What could this lowly acolyte do? What could I possibly do? You meant to take her from me. You meant to plant your petrol tanks back here. So? So? Where would Chumbucket be? Oh, il est jaloux. Oh, putain. It doesn't matter anymore. Temple de Dipfria. Soit je peux y aller très très bien à pattes. Soit, chers amis, je décide de nous arrêter là, on va chez Jit. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-bériser, à la commenter, à la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Pure, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite, si vous le souhaitez, à cliquer dans le descriptif de l'épisode via mon partenaire Gamesplay.com qui m'a gracieusement offert le jeu. Et si vous avez des jeux qui vous intéressent, que ce soit Mad Max ou les différents jeux Fallout 4, les différents jeux Fallout même de la saga Fallout, qui sont présents donc sur leur site. Ce serait sympathique de leur, si vous ne les avez pas, de bien sûr de les acheter donc sur ce site là. Moi ça m'aidera, eux ça leur donnera encore plus confiance en moi et donc les incitera à être encore plus gentils envers nous, notre communauté. Donc encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens.